Salut, c'est Alain Bernard. Je viens de terminer une formation courte sur la négociation et la conduite du changement à l'ESSEC. Bonjour, je suis Alain Bernard, double champion olympique de natation. J'ai battu 6 records du monde dans ma carrière. Aujourd'hui, je suis consultant sportif, mais surtout, je suis ici à l'ESSEC pour suivre une formation courte. Eh bien, ce qui m'a séduit dans la formation de la négociation et la conduite de changement, je pense que c'est des axes sur lesquels j'ai le plus à apprendre, j'ai le plus à progresser dans mes activités professionnelles. Je pense qu'il y a vraiment des clés et des choses que j'ai peut-être su utiliser dans ma carrière et dans ma reconversion en partie. Mais le fait d'imager cela et d'avoir cette partie théorique, eh bien, je pense que ça va être forcément utile pour mener à bien mes projets et parfois réussir à transformer, parce que c'est beaucoup de négociations dans ce que je fais. Et voilà, j'étais curieux de savoir quels outils je pouvais utiliser pour transformer un point de contact en un projet abouti. Alors c'est vrai, après avoir suivi le programme sans tout révéler, j'ai envie de penser instinctivement à cette fameuse roue de Hudson, en fait, la roue de Hudson qui symbolise en fait les états émotionnels et l'ambition qu'on peut avoir, qui est matérialisée par 4 saisons. Je pense qu'il faut accepter parfois de sortir d'une zone d'épanouissement ou de réussite où tout fonctionne pour avoir une phase de remise en question. Une phase qui est quand même pas sympa, ce qu'on appelle l'hiver, où là on est dans le dur, on revoit complètement nos projets. Reprendre de l'espoir pour repartir de manière vertueuse en fait vers une zone qu'on appelle une zone estivale. La fierté de mettre le petit logo ESSEC, parce que voilà, je pourrais dire que j'ai suivi une formation courte. C'est quand même pas mal pour moi qui ai arrêté mes études après le bac et qui ai beaucoup appris du sport de haut niveau. Et bien aujourd'hui, avoir suivi une formation courte et mettre le logo de l'ESSEC dans mon réseau, c'est hyper gratifiant. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui hésitent à suivre une formation courte ou plus longue à l'ESSEC, je pense que j'ai envie de leur dire de pas hésiter, parce que les informations en amont, la qualité de la formation et ce que ça peut engendrer par la suite, même si c'est encore très frais pour moi à ce moment-là, je pense que ça dépasse aussi mes attentes, donc ça c'est plutôt bon signe. Et dans un an, j'y repenserai avec nostalgie en me disant « Ah oui, c'est vrai que les trucs que j'ai appris là, eh bien ça me sert aujourd'hui ». Et ça, j'en suis intimement convaincu.